Madame. Alors, je me présente, je suis Juliette et je serai votre guide aujourd'hui pendant cette petite balade dans le marais. Donc, bienvenue à tous et avec nous Dominique qui sera notre pilote. Bonjour. Je finis par ressortir, être rejeté sur les côtés, et c'est ça qui va permettre de réguler le niveau d'eau à l'intérieur du polder. Donc voilà pour la technique de polderie. Alors surtout restez bien assis, faites très attention à vos têtes, hein, puisque le prochain pont est assez bas. Parler d'une activité très ancienne qui était l'activité des tourbés. Les tourbés se font de nombreuses inondations. Alors on va parler maintenant des embarcations telles le Macauve. Donc le Macauve, c'était un peu considéré comme le camion du maraîcher puisqu'il y transportait des récoltes, le bétail, les chevaux de trait, le gros matériel. Un wagon, ça peut transporter jusqu'à 4 tonnes de marchandises. C'est très résistant. Normalement, il y en a juste ici à gauche, voilà, devant la maison de laquelle on s'approche. Donc cette grande barque en chêne, qui mesure dizaines de mètres de longueur. Le chêne qu'on trouve localement dans les forêts du nord de la France et aussi dans celle de Clermarais. Et vous voyez que le wagon, on va le goudronner. Pour faire les choses et légumes, hein, je vous l'ai dit, celui qu'on cultive le plus, c'est le chou-fleur. Le petit bâtiment en ligne à droite du bateau, c'est une ancienne maison du pape. Il faut toujours réserver aux courtiers, aux maraîchers qui vont venir vous manger. Donc, je vais pas toujours rentrer chez vous, c'est pas un peu après. Alors ici, ce sont tous des petits potagers privés, hein, puisque dans le marais, vous pouvez très bien louer ou acheter une parcelle de terre pour faire votre propre jardin, avoir vos fruits et légumes. Et quand la récolte est bonne, on peut évidemment les revendre.